Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mon sang bien trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Jésus, l'Esprit qui te loue. Entends les chants d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux. Je ne s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 126. Psaume chapitre 126, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 126, nous lisons la parole de Dieu. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen, amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oh oui, donne-moi l'ancien, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Pasteur, donne-moi, oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Apôtre, donne-moi. Pasteur, donne-moi l'ancien évangile. Oui, donne-moi l'ancien évangile.
C'est pourquoi nous sommes rassemblés, mon Père, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Oh, que ton nom soit béni. Nous avons besoin de pouvoir réellement aussi entendre les sons de la trompette, mon bien-aimé Père Saint, afin que nous puissions nous préparer la manière que toi, tu as voulu que nous nous préparions, Père. Tu es vraiment merveilleux dans ta façon de faire les choses et de conduire encore les choses, bien-aimé Père Dieu. Merci réellement parce que tu vis et parce que toi tu vis, nous avons aussi la vie encore aujourd'hui, Père. C'est une grâce et un privilège de pouvoir réellement marcher avec toi, d'être éclairé par toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, d'être aussi nourri par ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nos cœurs et nos âmes sont vraiment ouverts devant toi pour réellement recevoir ce que toi, tu as prévu encore pour nous dans ces jours, Père. Oh Dieu, combien c'est vrai, tu nous as vraiment accordé la grâce et la joie de réaliser que dans ces temps où nous vivons, mon bien-aimé Seigneur, tu as toujours été et tu es toujours le même. Oh Dieu, comme tu enlèves ton peuple dans les déserts, tu fais aussi le même aussi, Père Dieu, pour chacun de nos personnes tout puissant, pour cela que tu t'es acquis toi-même, que tu as eu à pouvoir réellement aussi faire sentir et pour le conduire, mon Père. Merci pour les cris qui a retenti, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Nous l'avons vraiment entendu, Père. Et c'est ces cris-là que nous suivons, mon bien-aimé Père Saint. Ta voix à toi, nous l'avons entendu et nous te remercions, Père, de ce que nous avons réellement aussi appelé par nos noms, mon sauveur. Merci encore pour les cantiques et les chants qui ont été encore entonnés encore ce soir, mon bien-aimé Père Tibissant. Le cœur touché de voir ces enfants qui chantent réellement les chants de Sion pour ta gloire, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, que ton nom soit vraiment béni, Père. Tu nous consoles parce que toi tu fais, Seigneur Dieu, en voyant ta main puissante dans nos enfants, Père Tibissant, Dieu, ce que tu es encore pour ton peuple encore en ce jour, Père. Bénis notre précieux frère que tu as conduit encore ce soir. Merci parce que tu es réellement le Dieu qui nous nourrit, qui nous fortifie encore, Père, pour les psaumes, pour ce qui a été fait, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous, c'est encore l'ancien. C'est vrai, nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous éclaire encore davantage et qu'il nous conduise et qu'il pourvoie pour tout ce dont nous avons comme besoin, car l'Éternel, notre Seigneur l'a dit, il fait de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. Nous savons que le Seigneur ne nous refuse rien, mais il fait en fait en sorte que ce qui est bon pour nous soit la chose que nous pouvons aspirer. Et c'est pour ça que par sa parole, il nous éclaire, il nous instruit, il nous enseigne pour que nous sachions comment lui demander les choses et comment aussi nous approcher de lui. Comme il s'est approché de nous, il a le désir aussi que nous aussi nous puissions nous approcher aussi de lui. Et comme il nous a aussi parlé aussi, il a aussi le désir que nous puissions aussi lui parler. Et c'est pour ça qu'il nous montre effectivement de quelle manière nous devons réellement aussi avoir cette possibilité de pouvoir toujours être avec lui et marcher aussi avec lui. Comme aussi David s'est écrit en disant, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en se dirigeant d'après donc ta parole. Et dit, je serre donc ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Nous avons cette grâce et ces privilèges que je ne cesserai de pouvoir répéter dans notre temps où nous vivons, effectivement, c'est de pouvoir avoir plus cette lumière, effectivement, qui nous éclaire dans ce temps où nous sommes, parce que vous pouvez voir, effectivement, comment les choses se sont passées. Mais il a vraiment proclamé cette parole qui était placée dans les Saintes Écritures pour qu'elle s'accomplisse, effectivement, en son temps. Elle a dit qu'effectivement, que mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il est vraiment le Dieu de sa parole, le Dieu de ce programme, et il conduit les choses à merveille. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, nous voyons les choses jusqu'à une distance beaucoup plus proche, mais Dieu voit au-delà même de ce que nous pouvons pas voir. C'est pour ça qu'il est certain de ce qu'il annonce, parce que il a vu déjà les choses d'avance. C'est quand même extraordinaire, ce Dieu, il est merveilleux. Sa façon de pouvoir faire les choses, et cela nous donne davantage l'assurance de pouvoir vraiment avoir confiance en lui. Et il dit quelque chose, et pour lui, la chose qu'il a déclarée, il ne se préoccupe pas parce qu'il sait que la chose va s'accomplir, puisque avant même qu'il puisse s'accomplir cela, il avait déjà vu l'accomplissement. C'est d'ailleurs lui qui fait l'accomplissement des choses, parce qu'il est le Dieu qui interprète sa parole, il dit, il accomplit, il façonne, effectivement, il modèle toutes choses, effectivement. Quand il a dit que les eaux produisent des poissons de toutes espèces, effectivement, ben, il avait déjà ces poissons, effectivement, dans sa pensée, effectivement, et que les eaux ont produit exactement ce qu'il avait dans sa pensée. Nous avons cette grâce de pouvoir réaliser que
les nations, les gens, effectivement, pensent effectivement que Dieu change. Comme les gens disent, effectivement, que bon, vous savez, il y a l'évolution, effectivement, les choses évoluent, effectivement. Oui, le monde évolue, les hommes, d'une certaine manière ou d'une autre, peuvent dire qu'ils évoluent, effectivement, mais vous savez, rien n'évolue, en fait, en réalité. C'est simplement, je pense, que les hommes avancent, en fait, profondément encore dans le péché, dans leur destruction, en réalité. C'est simplement cette extension, en fait, du péché, hein, sous différentes formes, effectivement, qu'il y a. Parce que l'homme reste toujours cet homme. Comme nous l'avons eu à pouvoir aussi voir, effectivement, où on nous fait savoir que l'homme descend du singe. Mais bon, on s'est dit, évidemment, et les scientifiques le croient, beaucoup de gens le croient, effectivement. Mais c'est toujours une confusion que j'ai toujours mis. Mais c'est quand même pas possible, parce que quand on voit comment l'homme voit effectivement les choses, il dit que l'homme descend du singe, et depuis cette évolution jusqu'à ce jour, on devait quand même évoluer beaucoup plus encore. Mais les singes restent toujours les singes, l'homme est toujours l'homme, il n'y a rien qui évolue dans l'homme, depuis que Dieu l'a créé. Il n'y a pas des bras qui sont encore plus longs, parce qu'on peut dire que, bon, avec les temps qui est passé, effectivement, et que le bras commence à pousser plus long, ou peut-être les oreilles beaucoup plus longues, j'en sais rien, les jambes plus longues, mais l'homme est resté toujours cet homme, en fait. Mais les problèmes se trouvent, en fait, dans l'intérieur de l'homme, parce que c'est là où se trouve, en fait, le problème. Vous voyez, ce que Dieu a eu à pouvoir faire, ce que il a donné, en fait, vous savez, quand lors de la création, il a créé l'homme, effectivement, et puis on nous dit dans chapitre 2 qu'il a formé l'homme, effectivement, la poussière de la terre. C'est quand même extraordinaire de voir comment Dieu est tellement si sage. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce que Dieu a toujours eu à pouvoir déclarer, mon frère et ma soeur. J'ai dit, c'est Dieu, sa façon de faire les choses est quand même fortement extraordinaire. Cela nous démontre qu'effectivement, qu'il est vraiment Dieu dans tout le domaine. Nous ne disons pas cela parce que nous voulons dire, non, c'est la vérité. Pensez exactement. Vous savez, quand il s'est passé ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, nous allons le lire avec vous, effectivement, aussi. Je pense que, j'étais dans Genèse, je pense, au chapitre 3, quelque chose comme ça. Je pense que je dois être là. Juste, j'étais un coup d'œil là-dessus. Regardez bien. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Il dit. Voilà. C'est. Verset 14, il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, vous savez ce qui s'est passé, non? Tu seras donc maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit donc à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera donc sur toi. Et il dit donc à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est donc à force de peine que tu en tireras donc ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira donc des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est la sueur de ton front, que ton visage, pardon, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras donc dans la poussière. Et c'est cela que le Seigneur a eu à pouvoir dire à l'homme, il dit, mais et tu es poussière et tu retourneras donc à la poussière. C'est quand même extraordinaire, ce que nous voyons que ce que Dieu déclare est la chose qui s'accomplit effectivement. Bien sûr que les gens peuvent se poser la question de moi savoir. Et fait. Vous savez, chaque être humain qui a été créé, et quand nous parlons de tirer de la terre, de la poussière, je pense qu'au chapitre 2, on nous fait savoir cela, effectivement, pour que nous comprenions cela. Et je pense que cela dit, voilà. Genèse chapitre 2, verset 4, il dit, « Voici donc les origines des cieux et de la terre pendant quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Vous vous souvenez que déjà dans Genèse chapitre 1, il avait déjà créé l'homme.
cet homme-là que Dieu a créé, évidemment. Mais ici, on nous dit qu'effectivement, qu'il n'avait pas fait pleuvoir la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva donc de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ça, vous vous souvenez encore? Nous en avons parlé en rapport avec nous. Verset 10 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait donc formé. Et l'Éternel dit, fit pousser ainsi, 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 ainsi. Donc, nous voyons qu'effectivement, que cette partie, effectivement, la première partie, c'était donc cet homme esprit, en fait, que Dieu a eu à pouvoir créer. Et la deuxième partie, effectivement, c'est l'homme physique. Donc nous comprenons qu'en fait, que le physique, c'est un vase dans lequel le spirituel demeure. Donc le plus important que nous puissions comprendre, ce n'est pas les vases dans lesquels l'esprit demeure, mais ce qui demeure dans le vase. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous voyons quelque part dans les saintes écritures, je pense, c'est peut-être Romains, je suppose que nous avons peut-être le trouvé, je nous avons peut-être trouvé autrefois, effectivement, et je suppose que c'est cela. Je suppose que c'est du Romain, je suppose, nous allons peut-être voir si c'est cela, cela, ou de Corinthiens, probablement, entre les deux. Et nous allons trouver cela. De Corinthiens, nous allons voir cela. Ou en Corinthiens, chapitre 5. Et c'est voilà, c'est ici. Voilà, nous allons peut-être les trouver avec vous. Voilà. Voilà. Et de Corinthiens, chapitre 5. De Corinthiens, chapitre 5. Il nous dit ici, au chapitre 5, le verset 1, il nous dit, nous savons du reste, nous savons en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, vous avez entendu comment il expliquait? Je ne sais pas si vous prêtez attention. Et ici, il nous dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, donc nous sommes dans une tente. Vous comprenez cela? Donc, ce qui est important, c'est, ce n'est pas la tente, mais ce qui est dans la tente. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, il dit, où nous habitons, cette tente sur la terre est détruite. Donc, effectivement, cette tente doit être détruite. Parce que Dieu lui-même, je pense que dans l'écriture que nous avons lue, ah, il est vraiment bon notre Dieu. Il a eu à pouvoir les déclarer depuis donc Genèse au chapitre 3 que nous avons lu avec vous ici. Je pense que c'est cela. Voilà, pardon, oui. Il dit, c'est cela. Je vois, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est de... ouais, voilà, c'est chapitre 3, verset 19. Il dit donc, c'est donc à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Vous entendez cela? Dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous l'avons lu au chapitre 2, n'est-ce pas? Donc, nous devons retourner dans la poussière où nous avons été tirés, en fait, la poussière. Alors, ici, il faut bien comprendre, effectivement, par l'apôtre Paul, il dit que nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Et cette tente, effectivement, dans laquelle nous habitons, c'est pour ça qu'on doit être conscient d'une chose. Et ça, c'est toujours très important, et nous l'avons aussi répété aussi à maintes reprises, effectivement. C'est quand nous regardons, en fait, ce que nous voyons en face de nous, que ça soit ma sœur qui est ici, que ça soit ma sœur qui est assise là, que ça soit celle-ci ou cela, en fait, nous voyons quelque chose d'extérieur. Mais la véritable personne, en réalité. Ah oui, c'est ça qu'on doit comprendre, frère. La véritable personne, en fait, en réalité, ce n'est pas celle que je vois, mais celle qui est dans l'intérieur. J'aime Dieu, mon frère et ma soeur. Oui. C'est pour ça, faut pas détester quelqu'un pour son apparence extérieure.
Ah oui, parce que l'apparence extérieure, c'est comme ma veste. Je peux la changer parce que ce n'est qu'une couverture. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui est important, c'est pour ça que le Seigneur dit une chose, quelque part dans la Sainte, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi cela? Regardez très bien ici. Nous voyons dans 1 Pierre, je pense, au chapitre 1, je pense cela, 1 Pierre au chapitre 1. Nous lions effectivement cela pour que nous comprenions aussi la portée de chaque chose que Dieu nous dit, en fait. Parce que c'est quand nous comprenons cela, alors nous pouvons nous appliquer de la bonne manière. Parce que le Seigneur dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Est-ce que vous comprenez? 1 Pierre chapitre 1, effectivement, je crois que partie du verset 20 et quelque chose, il dit. Et voyez, c'est dit, attends, voilà, il dit, donc, j'aime toujours relire le verset 22, il dit. Donc, ayant purifié vos âmes, en obéissant donc à la vérité pour avoir un amour fraternel, toujours, vous y êtes, non? Toujours? Ah, ça c'est la chose qu'on insistera toujours. Vrai et sincère. Et puis il dit, aimez-vous comment? Vous savez, non? Quand on dit ardemment, c'est avec flamme. Vous comprenez, non? Donc vous êtes enflammé, donc de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, je ne sais pas, mais ardemment, vous comprenez ce que ça veut dire ardemment? Est-ce que vous comprenez ce qui veut dire aimez-vous ardemment? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous passer de votre frère ni de votre soeur. Est-ce que vous comprenez? Alors, mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, regardez-moi toujours ici. On est dans la semaine de notre tour. Je veux que vous compreniez pour le monde. Parce que nous devons avancer dans les choses qui concernent Dieu. Parce que les choses qui sont à venir sont terribles, frère. Je viens d'apprendre une nouvelle que mon grand-mère fait savoir ici. Mais c'est pas là. Donc, nous devons comprendre, effectivement, il dit bien, aimez-vous. Il faut que vous compreniez ça ardemment les uns les autres. Ah, ah. N'avez-vous pas, vous vous souvenez encore de l'écriture que nous avons lue dimanche, je pense. Et c'était dans Éphésiens chapitre 4. Vous vous souvenez encore? Qu'est-ce que nous avons lu en fait? Je vous exhorte donc, frères bien-aimés, hein, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée. Mais maintenant, écoutez la suite. Vous vous souvenez de la suite? On va vite là, puis nous revenons dans un pire que nous gardons juste la main. C'est important, regardez bien. Éphésiens, regardez bien. Ah, il dit donc. Ah, et verset 2, il nous dit donc que nous marchions ainsi, hein, en quoi? En toute humilité et douceur, avec patience, vous comprenez? Vous supportant les uns les autres avec... Ah, chez moi, ils ont bien dit avec amour. Mais charité, c'est toujours la même chose. C'est cet amour-là. Vous comprenez cela? Il dit bien avec amour. Oh, et vous savez pourquoi on dit avec amour, hein? Il a bien écrit ici, il a bien dit ici, vous supportant les uns les autres avec... Si nous prenons Corinthiens chapitre 13, vous voyez bien, nous courons, ah oui, j'aime bien quand vous saisissez, que Dieu vous bénisse, ça aide à pouvoir comprendre que, hein, que Dieu te bénisse, mon bras, te bénisse aussi. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, chapitre donc, chapitre 13 de Corinthiens, il nous dit... Je réponds vite, hein. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, donc la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui rétentit. Maintenant, verset 4, hein, et je reprends hein, avec vous, hein, dans votre ici, une version qui est avec vous ici. Nous sommes dans quel chapitre là? 1 Corinthiens. Hein. Merci. 1 Corinthiens 13. Et là, il nous dit quelque chose, pardonnez-moi, j'ai vite tourné. Voilà. Alors il dit, mais, verset, j'aurais dit quand même, tout. Il dit, mais, donc quand j'aurai la dans la prophétie, et si vous connaissez cela, non? Quand j'aurai même la nourriture, quand je distribue même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous connaissez? Maintenant, verset 4, il dit, la charité, donc l'amour, hein, elle est patiente. Vous souvenez ici qu'on en a lu tout à l'heure? Oh, que Dieu vous bénisse. Ce qui nous a été lu ici, effectivement, dans Éphésiens 4, hein. Vous savez, cela dit, mais il dit, mais en toute humilité et douceur, avec patience, hein. Vous supportant les uns les autres avec. Ah, et maintenant, on doit comprendre comment je peux arriver à pouvoir supporter. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit ceci, la charité, donc, elle est patiente. Elle est pleine de bonté.
La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'emploie point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle s'excuse tout, elle croit tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi encore? Voilà. C'est pour ça que c'est important que nous comprenions cela. C'est toujours la charité, non? L'amour qui supporte tout, qui est patient, n'est-ce pas vrai? Donc on dit effectivement que nous ici, on nous dit que, ah oui, donc il faut que nous puissions donc marcher d'une manière de l'évangile, avec la paix qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur. Donc cette humilité-là, je ne peux pas la fabriquer. Cette douceur-là, je peux faire un effort, être, oh bonjour frère, bonjour ma soeur, mais quand on va me pincer, l'humilité en question, la douceur s'en va. C'est la colère. Vous comprenez? Il faut que ce soit quelque chose qui vient de quelque part. Ah, ça c'est nécessaire. Si, quand tu as atteint ce quelque part-là, oh, c'est la paix. Comme mon grand aime chantait, la paix de Jésus à tous les... Vous comprenez cela? C'est-à-dire que tu passes quelque part, on ne sent pas un autre parfum. C'est simplement le parfum de Christ. Et ça, c'est vrai, mon frère et ma sœur. Nous allons revenir. Alors, nous remarquons qu'effectivement, que là, dans l'Écriture que nous venons de voir, et dans 1 Pierre que nous étions, effectivement, où il nous a recommandé, nous retournons 1 Pierre chapitre 1, le verset suivant. Ah, nous avons dit, verset 22, toujours d'abord, nous disons, on dit, mais ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Je dis qu'avec cette hardiesse, vous comprenez, à tel point que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Pas seulement dans le cadre des mariages, quand je suis amoureuse ou amoureux, je ne peux pas me passer. Non, tout ça, c'est... Mais ce qui est important, c'est cet amour pur-là. Je n'ai vraiment pas bien entendu. Parce que celui-là, il coordonne tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va être un peu... Vous savez ce que moi j'ai dit à Jacob, mon fils, un jour? Je l'ai regardé, je l'ai dit, parce que vous savez, les jeunes hommes, vous connaissez. J'ai dit, regarde-moi bien. Tu vois la demoiselle qui est assise ici, qui est madame, il fait ici, c'est votre femme. D'abord, il faut comprendre maintenant la chose qu'il faut. D'abord, la première chose que tu dois bien comprendre, elle est donc ma fille. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, donc, celle-là, c'est ma fille. Si elle est donc ma fille, elle est donc ta sœur. Est-ce que vous suivez? Si elle est donc ta sœur, parce qu'elle est ma fille, donc elle est donc ta sœur, hein? Donc tu as épousé ta sœur. Oh frère, comment? Mais c'est vrai, nous nous marions entre frères et sœurs. C'est vrai ou pas? C'est quand même vrai. Oui, oui, oui. Abraham n'a pas envoyé Isaac autre part. Sur les habitants d'Abraham, hein? Pas quelque part d'autre. Dans la famille. C'est pour ça qu'on se marie toujours dans la... Est-ce que vous avez compris? Toujours dans... Yes, yes, yes. Dans la famille. Je lui dis, ok, maintenant tu as compris. Donc d'abord, elle est ma fille, donc ta sœur. Et puis la deuxième chose, c'est en deuxième lieu qu'elle devient donc ta femme. Donc si tu as compris cette équation-là, ça veut dire que c'est pour toute la vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu vas me la mettre où? Parce qu'elle sera toujours à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit ça, c'est une équation que toi, tu dois arriver à pouvoir résoudre. Donc tu connais donc les équations. Donc ça veut dire que pour toi et pour moi, c'est terminé, c'est pour... Est-ce que vous avez compris? Donc ce qui veut dire que, comme c'est ta sœur, tu dois l'aimer. Non seulement parce qu'elle est ma fille, mais aussi, elle est aussi ta sœur en Christ. Ah, trois choses. Trois choses. Donc il est vraiment lié. Est-ce que vous comprenez? Trois choses. Fille en tant que sœur en Christ. Et puis la fille de mon papa. Donc ma sœur à moi. Et ma sœur en Christ. Et puis ma femme. Comment tu peux venir te plaindre maintenant? Est-ce que vous comprenez? C'est pour que nous comprenions effectivement les degrés des choses, comment en tant que croyants nous devons être.
Nous sommes appelés à être différents des autres, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que notre vie à nous, c'est pour l'amour de Dieu que je... Notre vie à nous doit laisser des traces sur la terre, que le voisin, que les voisines, que les hommes, effectivement, puissent arriver à pouvoir... Vous savez, j'ai été convoqué à la police, c'était hier, je suis parti. Alors, c'est terrible, frère. C'est l'agent du quartier lui-même, je parle avec lui. Et puis, il me dit, mais, ah oui, à propos, j'ai vu votre fille, qui était donc chez vous à la maison, parce que je demain. Donc, l'agent du quartier, la police, ils ont dit, pas, j'ai vu votre belle fille. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas prêté attention? Non. Il n'a pas dit, j'ai vu votre belle fille. Non. Il a dit, monsieur l'officier, j'ai vu votre fille. J'ai dit, vous êtes convaincu que ma fille est à la maison? Oui, j'ai vu votre fille chez vous, donc, pas de problème. J'ai dit, gloire à Dieu. Y a-t-il autre chose? Oh non, monsieur le fessier, c'est réglé. J'ai dit, gloire à Dieu. Bon, bref, c'est sympa, moi, je ne vais pas rentrer en détail. Mais c'est pour dire que nous avons un témoignage à rendre dans ce monde. Frères et sœurs, nous ne sommes pas comme tout le monde. Le voile est semblable à tous. Parce qu'on peut nous toucher, mais c'est l'intérieur qui fait de nous que nous comprenons effectivement d'abord qui nous sommes, ce que Dieu a. C'est ce que Dieu veut que toi et moi nous comprenions ce que nous sommes, pour que quand tu regardes ta sœur, peu importe la situation, mais que là, ta soeur, c'est ma soeur. Souvenez-vous, frère et soeur, dans votre propre famille, vous, toi, avec ta propre soeur ou ton propre frère, quand vous avez des combats, est-ce que tu les rejettes dehors? Non. Vous avez des enfants, non? Oui, oui. À la maison, ils peuvent se battre, oui. Comme celui que nous avons entendu chanter, que Dieu le bénisse. Et Josias, et Josias, et Josias. Et puis après, Josias. La grande soeur est là-bas. On va pas. Josias, quitte chez nous, la maison, je ne vais plus te voir. Je ne supporte plus jamais. C'est pas chez toi que va-t'en. Non, Josias, on s'est battu, on s'est battu. Puis non. Josias, montre-moi un peu comment on peut faire Internet. Si cela est ainsi, pourquoi pas toi et moi avec ma soeur? C'est une réalité. Parce qu'il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, frère, pourquoi nous sommes toujours restés comme des gens étrangers? Ça, c'est mon enfant, ça, c'est mon papa touché, on ne peut pas parler de ma... Non, frère, l'enfant, il est dit ici, l'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Et quand il arrive qu'on doit répandre ton enfant à toi, tu dis non, on ne peut pas parler de mes enfants, il faut d'abord voir les enfants des autres. Et donc, c'est-à-dire que les tiens, c'est les tiens de ceux qui... Ici. En fait, vous montrez que vous n'êtes pas de l'autre. Parce que si vous étiez de l'autre, eh bien, nous marcherons ensemble. Amen. Dans toutes les circonstances, mon frère, nous nous supporterons. Pourquoi nous ne supportons pas? Parce que l'Écriture nous dit ici quelque chose ici. Il nous dit, regardez bien, nous allons le lire encore avec vous. Il dit, pardon, elle nous dit, oui, aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors il dit bien, de tout votre cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, que mon frère a la place dans mon cœur. Ma soeur a la place dans mon cœur aussi. Donc tout un chacun. Et puis il continue, il dit, mais pourquoi est-ce que je peux arriver à ce point-là? Être comme Josias avec son frère. C'était David hein, qui dit ça. Même si on se tourne de coude comme ça, puis après, on sait, c'est parce qu'on sait qu'on est de la même famille. C'est mon frère, et c'est notre mère, c'est notre père. Nous disons tous ensemble notre père qui est au ciel. Frère, Dieu n'est pas un Dieu divisé. Un seul Seigneur, une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu. C'est cela, non? Alors si ce Seigneur-là, il est le père de mon frère, donc s'il est le père de mon frère et qu'il est mon père, alors nous avons un même père. Parce que nous disons notre père qui est aux cieux. Frère, ce n'est pas un jeu, mais c'est ça qui fait de vous que vous réalisez que vous êtes aussi des élus de Dieu, frère. Et que la parole de Dieu trouve sa place au-dedans de vous. Ne perdons pas notre temps inutilement. Le monde est en train d'être détruit. Il s'est détruit déjà. Il faut qu'on soit détaché de ce monde dans lequel nous nous trouvons pour entrer dans ce que Dieu nous a donné, ce que nous sommes pour Dieu, effectivement. Et c'est cela. Et puis il dit, mais et pour comment est-ce que je... Ah oui, je dois respecter les temps que vous respectez aussi, vous savez. Il n'y a pas non plus que vous critiquez tout. Que Dieu nous aide, que Dieu me pardonne beaucoup. Il me pardonne pour ça, si vous comprenez. Ce n'est pas aussi facile. Nous aimons tant d'avoir du temps. Parce que nous ne savons pas si nous serons encore demain. Nous ne savons pas si nous pourrons voir. Vous savez, frères et sœurs, les choses avancent tellement. On ne sait pas si le lendemain on pourra se revoir, si le lendemain on ne sait pas. Donc, aussi longtemps nous avons l'occasion de nous retrouver, profitons.
Donne à ton frère ce qu'il faut lui donner, à ta soeur ce qu'il faut. Ne devez rien à personne. C'est ce que la Bible nous dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour en fait. Donc, ça dit qu'à ma soeur, je lui dois quelque chose. Ce que je dois lui donner, c'est toujours l'amour que je dois lui donner dans le cadre. Et cet amour-là, c'est un amour qui est censé pouvoir l'aider. Quand vous la voyez, vous êtes heureux. Merci Seigneur que j'ai pu le voir. Peu importe. Enfin, il dit, pourquoi est-ce que je peux arriver à pouvoir aimer mon frère et ma soeur ardemment? Eh bien, il dit, mais puisque vous avez été régénérés, vous comprenez, régénérés, hein? Ça veut dire que être né de nouveau. Donc, moi, je suis né de nouveau. Et ma soeur aussi, mon frère aussi, je l'appelle mon frère et ma soeur parce que nous avons eu à pouvoir expérimenter la même chose. Vous remarquerez très bien, dit mes frères, vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que le jour de la Pentecôte, ils étaient différents. Ils venaient à différents endroits, mais c'est vrai, non? Ah ben oui, mais ils ont été nourris à la même source. Ils ont mangé la même nourriture. Et cette même nourriture en question a produit la même chose. Donc chacun, il dit que le voile est tombé. Il dit, mais c'est mon frère. À cause de quoi nous l'avons tous mangé, à ceux que l'on reçu. Ils ont reçu ces Jésus vivants. Et bien sûr, effectivement, et l'expérience est tellement effectivement qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Alors chacun rentré chez soi à la maison et dit, mais je ne peux pas laisser ça comme ça, mon frère ne peut pas être comme ça. Donc je dois faire quelque chose pour mon frère. On ne lui a pas dit de faire, mais en lui. Est-ce que vous comprenez? Pour quelle raison? Mais quelque chose est entré là-dedans. A fait que la personne est changée. On ne peut pas l'obliger, mais aime quand même ton frère, malgré ses défauts. Aime, non, il ne s'est même pas occupé à regarder les défauts de ceux qu'il avait. Il ne s'est même pas regardé, c'est lui-même qui s'est levé. Il est allé directement pour faire la chose, peu importe ce qu'il ne voulait pas. Et l'autre, dans son cœur aussi, même pas regarder, il dit, non. C'est-à-dire que l'amour couvre... Alors, comment on est tellement rempli de l'amour de Dieu, on marche toujours avec ce qu'on appelle le pardon. Donc, je ne vois pas toujours mon frère pécheur ou ma soeur pécheur, je marche avec le pardon pour lui. Quand je vois Seigneur, pardonne-lui. Pardonne, parce que tu m'as aussi pardonné. Je me souviens toujours de ce que moi j'étais, ce que tu as fait de moi, et ce que mon frère et ma soeur aussi, pas très méchant, il a besoin de toi. Est-ce que vous comprenez? Ça, on ne t'oblige pas. Mais c'est la chose qui vient. Parce qu'on te dit, mais pour arriver à aimer ardemment ton frère et ta soeur, parce qu'on a des limites dans le cœur, effectivement, que Dieu nous aide vraiment à comprendre. Vous savez que... si on rentre là-dedans, on va commencer à se poser beaucoup de questions. Mais vous comprenez quand même, la Bible nous dit que Dieu est amour. Mais les problèmes des enfants, ça vient après. C'est pas d'abord. Vous savez, je vais te faire entre parenthèses, ne vous fâchez pas. Si toi, tu regardes une sœur, bon, faut pas vous fâcher. Tu dis, ah Seigneur, je vais pour cette sœur-là, tu as fait des cauchemars la nuit parce que tu as vu son corps. Hein? On va être clair. Hein? Parce que tu fais des extravagations dans la tête, dans l'esprit, à cause du corps de la sœur, et que vraiment, tu ne peux plus vivre, il faut l'épouser parce que c'est son corps. Alors, je te demanderai, je te ferai savoir, frère, il faut abandonner cette voie-là. Parce que si tu aimes la sœur à cause de son corps, eh bien, ce n'est pas la femme qui est destinée à toi. Ah oui, c'est vrai. On confond parfois, vous avez ces émotions-là, ces choses-là, avec l'amour. Là, c'est pour ça que vous voyez toutes les demoiselles dehors, ils veulent vous serrer les ceintures, faire du choc, enfin, des saucisses en maximum, pour que quand toi tu vois la saucisse, tu ne sais plus dormir. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai trouvé. Tu n'as rien trouvé. C'est pour ça que j'ai dit, non, ne regardez pas mon rêve. Hein. Mais c'est ça, en fait. Parce que vous voulez que je vous le dise. Mais si c'était donc, regardez, quand Adam et Ève, ils étaient comment? Ils n'avaient pas de vêtements, hein. Faut pas vous fâcher, hein. C'est dans la Bible. Vous avez vu Adam, hein? Non, rien.
Est-ce que vous comprenez, non? Et si c'était, mais si c'est vous maintenant? Je ne pense pas, on ne peut même pas vous retenir. Hein? Non, c'est parce que il faut vous passer, faites passer les secondaires à la place du primaire. C'est pour ça, Dieu, que vous souhaitez que vous soyez délivrés, frère. Que vous compreniez la main. Et quand vous comprenez ça, vous serez heureux. Je serai heureux parce que c'est quand même Dieu qui a dit à Adam et aussi à Ève, allez multipliez-vous. Il savait quand même. Mais avant, vous comprenez ce que... Enfin, on va pas, je ne vais pas rentrer dans ce domaine de détail. Mais juste un petit peu, une ouverture. Pour que vous compreniez aussi, hein, c'est que ça travaille, mais que vous compreniez que ce qui est vraiment très important aux yeux de Dieu, c'est l'amour. Mais cet amour-là, c'est l'amour divin. Ah, oh, l'amour divin te fait aimer ta sœur qui devient après ta femme. Parce que si tu l'as aimée comme étant ta propre sœur, tu ne vas pas la maltraiter quand même. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu l'as aimée pour son corps, quand tu auras consommé, tu vas la maltraiter parce que ce sera des vidanges après. Vous connaissez l'histoire de Tamar avec son frère? Quelques-uns le connaissent, hein? Tamar mourait, vous connaissez, non? Non, c'était son frère qui mourait, dit, ah, moi, je ne peux pas tenir. Et puis après, aversion totale. Vous êtes fâchés? Non. Ça vous embête un peu? Non. Oh, c'est l'évangile quand même. Ah, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Les temps, notre problème. Je termine ça, puis nous prions. Il dit, pourquoi et comment je peux arriver à cela? Il nous dit donc, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, vous comprenez cela? Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente des dieux. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Nous avons ces cantiques que je voudrais que nous chantions. J'ai la voix, cette armée innombrable, s'est rendue dans des cieux. Merci. Essayons des bonheurs. Vous le connaissez, non? Merci, mon Dieu te bénisse. Le 202 dans les fables, numéro 202. Oh, quel beau jour où devant ta face tout est racheté à paraître. En célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant, les cieux retentiront. Nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages, nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. La voix s'est armée innombrable, s'est rendue près dans l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour à Dieu.
Sera beau lorsque nous irons.